Comment ça? Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne? Alors abonne-toi vite, active les notifications pour savoir quand je sors une vidéo. Allez, bonne vidéo! Hey, what's up les gens, c'est Supra et aujourd'hui les gars, je vais vous faire une petite vidéo sur le trailer de World War 2 qui a été sorti sur la chaîne de Call of Duty à 19h. Du coup, je vous fais une petite vidéo là-dessus, petite analyse on va dire du trailer. Donc franchement, je l'ai vite fait regarder une fois, je le trouve vraiment magnifique. Franchement, je trouve que le jeu il a de bons graphismes. Donc après, je vais vous le mettre à l'écran sans analyse, sans rien, et avec le son et tout pour que vous puissiez vous projeter on va dire à l'intérieur. Je vous avais pas encore fait de vidéo sur World War 2, du coup c'est un peu l'occasion de parler un peu de tout ça. Donc je vais vous laisser le trailer et on se retrouve juste après. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot, we must not fail. Duty first. Perez! Won't be enough for you! Casualties. We executed the mission. Get me the fuck out of here. How many? We had orders. Get to cover. Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. Pre-order now and get access to the private beta. Donc voilà les gars, donc maintenant je vais vous analyser un petit peu donc ce trailer. Donc là on peut voir actual in-game footage, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Là on peut voir donc la mer, on dirait le débarquement de Normandie sur les plages. Donc là des soldats américains qui sortent leur tête des bateaux. Voilà, franchement de très bons graphismes, on voit vraiment l'eau, les gouttes et tout sur... Alors, franchement le jeu il est vraiment beau je trouve. En même temps il faut concurrencer un peu, on va dire, comment il s'appelle, Battlefield. Parce que oui, franchement avec Battlefield 1 ils avaient des graphismes vraiment de malade. Donc là on peut voir comme quoi ils sont tous tués, un peu canardés, donc vraiment ça c'est le débarquement de Normandie. Donc le jeu se passera en France, donc là on peut vraiment voir que c'est les Allemands, le débarquement et tout. Donc ça, ça fait plaisir, franchement. Ils pouvaient pas refaire la guerre du Japon, vu qu'ils l'avaient déjà fait avec World at War, ils vont pas se répéter. Et vu que la seconde guerre mondiale s'est passée principalement en Europe, donc c'était obligé qu'ils fassent ça. Donc là je pense que le jeu va se passer en Europe, voire même en France, ça ferait super plaisir. Donc là on a pu voir un char allemand tirer sur les Américains. Là un petit avion allemand je crois qui plonge, je sais pas trop. Ouais franchement de très beaux graphismes hein. Là on peut voir pas mal d'animations, donc ça c'est la campagne hein. Ça m'a l'air vraiment d'être pas mal hein. Donc là le retour du lance-flamme comme dans World at War. Voilà. Donc ça sera certainement les mecs de la campagne avec nous. Ouh, sacrée patate. Non franchement le jeu est beau, donc après je sais pas si genre ils vont faire un peu comme Battlefield parce que je vois tellement de bâtiments s'écrouler, casser et tout. Si genre on va pouvoir détruire des bâtiments, faire des choses, je sais pas si on va pouvoir. Donc là on avait une petite M1 Garand au passage. Voilà donc pour l'instant, ouh un Tiger 2, donc c'est un char allemand. Pour le moment on n'a pas vu de Thompson, d'armes de ouf, on voit juste une grenade sur lui. Oh là on voit une petite arme, donc je sais pas trop ce que c'était, c'était une arme secondaire peut-être. Donc là voilà, Call of Duty World War 2. Donc le 3 novembre, donc ça il fallait s'y attendre, c'est toujours en novembre. Donc il y aura une bêta, il faut le précommander pour avoir accès à la bêta. Donc franchement, très très belle bande d'annonce, enfin un trailer. Ça
ça fait vraiment super plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez un peu votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à partager et à vous abonner. Allez, bye tout le monde.